Allez, tue-le. Allez, deuxième demi-finale. Allez, tue-le. Oui. Ouais, ouais, c'est à James là. Je te branche, mec. T'as évité d'acheter pas, hein. Alors, Hakim, il a dit comme t'étais, il va gagner, Zafi. Bon, James, c'est moi-même. Calisto. Yop. C'est bon, Anis. Ouais, c'est bon, c'est parti. Ouais, Yop, c'est. Alors nous pouvons voir James qui a complètement la... Parle pas des macotons toi, sinon je t'assois. Sinon nous allons parler de... Allez là-bas, la tête de ma mère, il a... Oh écoutez bien, oh vous l'avez vu le match, il a transpiré des fesses Youn. Moi je vous dis... Donc James... Ah c'est bon, je m'en bats les couilles, tu parles de squash. Je m'en bats les couilles, tu parles pas de Makoto. Donc James jouait auparavant... Ah oui, le meilleur lyonnais actuel. Ah oui. Et de loin. Bah, il le prouve, sachant que là c'est les deux meilleurs Ken qui s'affrontent là. À ce qui paraît. Là. À ce qui paraît. Hein, parce que. Je sais plus quoi dire, j'en permets vous. Le match. Oh une James. Ça s'appelle une James Paradise. Et Jimbo. Oh là là. Oh là là. James est parmi nous. Il. Oh là. Il assume. Mais joué Jim, tu représentes le bleu. Il fait partie du top 5 lyonnais. Seulement sur Franky, hein. Sinon globalement c'est pas le cas. Mais bon, faut pas être pété aujourd'hui. Alors là c'est complètement lyonnais, hein. On fait des trucs. Même moi j'aurais même pas compris pourquoi il fait ça. On dirait une mimosa en team de 5. Hein. Oh mimosa, je te prends, je te retourne toi aussi. Ouais, ouais. Ouais, il gère la mort. Voilà, j'ai fait défi en 50 mimosa. Tu me mets 20, si tu me bats 20 matchs, c'est bon bah. Ok, j'allais lui dire. Il sera là plus vite tu que tu m'appeler. Crois. Hein, tu vas parler comment là? Ah, te prends ton stick. Ah non, c'est vrai, toi t'as un joueur de manette. Manette. Il gère à mort, James. James gère à mort. Il gère. Les gâteaux, le manque des coups, mec. James gère. Gère. Il gère à mort. Et là, là, et James s'est mangé un trap à la con. Un truc tout banal, mais c'est pas grave ça. Ah. Oui, voilà, il répond par un dragon. Typiquement lui. Même les plus fermes masqués pourraient se cacher encore devant, face à ça. Sinon, il fait super beau aujourd'hui. Ouais, grave. Ça fait sa mère, il fait des gâteaux là. Ouais, au lieu de se prendre dans la rue. Hein ? C'est quel temps à Paris ? J'en sais rien, moi. Il faut que je les appelle pour savoir. T'informes pas sur ta ville ? Je m'en bats les couilles. Ouais ! M'en bats les couilles, ma ville ! Un rang de Paris, c'est tous des enculés à Paris ! Ouais ! Bon, sinon. James a la pression. C'est soit il va craquer psychologiquement sur Swan ou soit il va gérer un truc de ouf. Mais à mon avis, je sais pas. Franchement, je sais pas. Vu sa motivation d'aujourd'hui. Oh là là, mon dieu! Il a fait une jam. Oh là là. Ouais, c'est normal, hein. C'est quand il a pas le choix, il y a rien qui sort derrière. Hey, j'ai la pression en regardant le match. J'ai grave l'impression, putain. Est-ce qu'il va assumer ses propos et niquer tout le monde comme il le dit? Oh là là là. Et James est passé à la trappe. James est passé à la trappe. James, comme tout joueur et humain, a les boules. Normal, parce que quand on perd, on a les boules. Hein, ceux qui me disent, ouais, c'est le farmer, peut-être qu'il va se faire enculer. Hein. Et c'est au tour de KX de jouer Chun-Li. Oula, Pierrot, stipule que sa Chun-Li est plus meilleure que celle de KX. Il a tout à fait raison. D'accord. Moi je te défends aussi. Moi je te défends aussi. Non, on verra pas, c'est déjà fait. C'est écrit, il va aller. Bah attends, là, je commence là. Je peux pas. Que de la gueule. Que de la gueule. Sinon, parlons du Togeki là qui va se faire dans plus ou moins 2 mois. Donc, je sais que la team française est composée d'un Parisien et de 2 Lyonnais, mais pour l'instant, cela reste top secret. C'est pas la peine de croire que c'est moi, ça sert à rien. Moi, je suis là pour foutre la merde, moi, au Togeki. Allez, ce matin, la furie! Eh oui, KX a la pression. J'ai même pas capté le match. Je pense que Callisto a toutes ses chances s'il joue bien. Hein, ce sont une phrase que tu pourrais dire à n'importe qui, ça marche pas aussi.
va-t-il mettre une super... Oh là là, il aurait pu confirmer. Le match est à son comble. Même Accra n'arriverait même pas à faire une telle prouesse. Non, je déconne, Accra, c'est bon. Sinon, pour revenir encore au match, c'est très sérieux. C'est un truc de ouf. J'ai envie d'arrêter. Oh putain, ça m'énerve. Putain. On peut dire qu'il ne se laisse pas faire. Mais est-ce qu'il va se faire exploser sur le deuxième round et c'était pas aussi sérieux que ça? Ou il va inverser la tendance? Genre faire de la technonique avec son ken? Et non, c'est avec qui fait du breakdance. Chun Li gère, ça y est. Et oui, il est vénère, il a pas vu le bloc à mettre. Mais c'est pas grave, c'était Kranus. Et voilà, mind game. Donc effectivement, c'était un match de pure chance au premier round. Sinon, on peut s'en sortir tranquille. T'es Hakim, il va jouer. Donc maintenant, c'est le seul mec le du tournoi à l'épée de son personnage. Le seul mec habillé comme son personnage. C'est du cosplay dans ces cas-là. Kai est en pleine réflexion. Ah putain! Nous parlerons pas du perso qui a perdu tout à l'heure en demi-finale. Hein. Nous parlons seulement de Chun Li Dudley. C'est archi équilibré. Hein. C'est-à-dire le perso qui a perdu en demi-finale, tu parles de qui là? Ah, Ken. Ah. Je me sens visé maintenant. Tu sens plus visé. Wow. Ouais, je tiens à faire un annonce, je suis contre Yox. Yox, il va arriver en finale. Je vais tout faire pour qu'il perde. Que de la gueule. Je veux même. Oh, je veux même. Que t'as montré mes fesses, je le ferai. Comme ça, tu gagneras pas. Ah. Tu gagneras pas. Oh, c'est la merde là. Oh, tu connais le Maroc? Nabil, dis-le le Maroc. C'est. La poisse à l'état pur. La poisse personnifiée, c'est moi, tu verras. Et voilà, la bonne française à l'anglaise. Allez. Et il balance la sauce et maintenant faut plus qu'il lâche son perso, son personnage plutôt adverse. Oh non, il se casse, voilà, fallait pas se casser, il fallait fumer, voilà. Reste. Mais la furie. Abandonne, Chun-Li, t'es mort. Putain, balance la furie, balance la furie, balance la furie. Ça sert à rien, tu sais que t'as mouru. Il est en train de stresser à mort, il est en train de stresser à mort. Il est en train de stresser à mort. Chun-Li, t'es foutu. Et oui, il économise une super. Il a la pression et ça s'en comble. Bon, Anis, c'est pensif. Mais c'est reprend. On reprend les mêmes et ça recommence. Le match est à son comble. Une furie au pif peut être balancée n'importe quel moment de la part de Dudley. Parce que c'est sur ça qu'il essaie de gagner. Ouh là là. Bah, chez lui, elle fait mal, hein. Putain. C'est pute. Oh, c'est une salope, hein. Ah, elle a une chope en plus et. Furie, fallait balancer la furie. Fallait balancer la furie. Oh là là, franchement c'est. Faut vraiment que Dudley fasse tomber la Chun-Li pour que. Elle est à l'aise la Chun-Li. Ah ouais, avec ses jambes là, ses poings. Allez furie, balance. Allez balance la furie là. Let's go. Et voilà. Hyper. Il assume son versus, c'est la merde. Donc là nous avons la finale qui arrive là. Donc c'est la team de Cakes avec James qui s'affronte.